Jack, tes mains. Faut pas qu'on s'arrête. Avance. Allez. Par ici. C'était la première fois que mes pouvoirs se manifestaient. Une décharge d'énergie incontrôlée qui a sauvé Will. Hey, salut à tous. C'est Darkmania. Oh là là, j'ai dû tuer les tympans de beaucoup. C'est pas grave. Hey, c'est Darkmania. On se retrouve donc pour la suite de Code Quantum. Non, je rigole. Non, pas de Code Quantum. Non, de Quantum Break. Pardon. Excusez-moi. Il y a une petite ressemblance. Mais bon, c'est petite ressemblance. Eh ben, on est parti. J'ai décidé de vous faire le jeu complet. J'espère que les vues seront à la hauteur de mes attentes. Et que je serai aussi à la hauteur de vos attentes, bien sûr. Non, sans, sans blaguer. Voilà. Un point info. Rappelez-vous, j'ai fait la vidéo. Je vous avais fait la vidéo il y a 2-3 jours, non? 2-3 jours. Je sais plus quand. Je vous ai fait la vidéo il y a 2-3 jours. Et ben, je vous informe que j'ai déjà fini le jeu. De mon côté. Voilà. Donc le jeu, j'ai déjà fini. Et donc je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas hein, le faire. Donc, le faire en vidéo. C'est pas mon habitude de finir les jeux en général. J'avais prévenu Paul pourtant. Et de. Et de le faire après. Je sais pas, j'avais pas prévu de le faire en vidéo, j'avais pas envie de le faire. Voilà, j'avais pas forcément envie de le faire. Mais du coup, j'ai fini le jeu, je me suis dit, tiens, 2 jours pour finir le jeu. Bon, chapeau mec. Donc j'avais envie de le faire parce qu'il est sympa. À part 2 passages où je pense que je vais m'arracher les cheveux, mais c'est pas grave. Voilà, bon, alors, on a assez parlé, on va un petit peu s'orienter sur le scénario. Merde. Alors, je ne spoil pas, hein. Je connais la fin du jeu, mais je ne vous spoilerai pas. Il dit juste que c'est pas mal. Dommage, on voit pas mes yeux, mais. T'étais pas là. Il se passe beaucoup de choses. Ça dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Peut-être quelques petites vidéos en webcam. Un de ces quatre. Écoute, j'ai jamais voulu que tu sois mêlé à tout ça. Je suis désolé. Je vois. Bon. On aurait joué, s'il vous plaît. Oh, juste une petite... je vais pas vous montrer où ramasser les trucs. Hein. Je vous laisserai... On doit l'empêcher avant qu'il soit trop tard. Je vous laisserai... D'abord, on doit aller à ma voiture. Cherchez par vous-même. Voilà. Olé, olé. On sort mieux que moi avec la porte. Par contre, j'ai pas tout trouvé. Hein. Il y a des trucs que j'ai pas trouvé. Donc. Will, laisse-toi. Ah, alors, le premier véritable combat du jeu. Hein. Et c'est là, bizarrement, bah, je veux pas être méchant, mais bon. Voilà, quoi. Merde.
pas être méchant et ni méchant hein, avec le jeu. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème sur les gunfights. Voilà, il y a vraiment un gros problème sur les gunfights. Will, tu vas bien ? Vous allez vous en rendre compte par vous-même hein, si vous... Je sais. Vous achetez le jeu. C'était de la folie. Voilà. Ça va me servir d'une arme. J'avais déjà eu quelques ennuis. Mais je m'étais jamais retrouvé avec une armée de soldats aux trousses. Par contre, c'est bizarre, mais il y a une scène ici, mais je sais pas. Alors, je vous passerai la série, mais si j'ai les droits d'auteur, je le couperai en montage. Tout simplement, parce que c'est vrai que bah, je risque d'avoir des droits d'auteur à cause des images de série, mais je vous la passerai quand même parce qu'elle est sympa. Si j'ai pas de droits d'auteur, ah, ça sera génial. Bon, bref, on a assez parlé, on va jouer maintenant. Voilà, bon, voilà, je vous ai dit, hein. Le gameplay est pas trop compliqué. Le temps fait encore des siennes, ça m'étonne pas. On doit y aller. Allez, on monte dans l'ascenseur. Je crois que c'est ça. Ils connaissent ouais, nos noms. C'est ça. Ils savaient qu'on serait là. Ils doivent chercher la machine. J'ai pas de pouvoir encore, hein. J'ai pas encore mes pouvoirs. Hein. On peut si pas vous pouvez le constater. Voiture. Monarque pourrait s'y attendre. On n'a pas le choix, Jack. En fait, les pouvoirs s'affichent à droite. Pour vous allez voir. La fracture, j'ai besoin de... Mais... On doit aller à ma voiture. Ok, bon. Essaye de m'expliquer tout ça, Will. Alors, le temps est cassé? D'accord. Et tu dis pouvoir le réparer? En théorie. Oula, il y a un bug là. Il y a des années. Ah ouais, il traverse le. Ah non, non, il n'y a pas de. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que les portes s'ouvrent encore. Laisse-moi essayer. Ouais, par contre, je vous dirai mon ressenti après, hein, bien sûr. Juste un petit regret par rapport à la série. Mais. Vous verrez. Il y a... Alors. Oui. Oh merde. Encore figé. On va le défiger. Parce que oui, nous on a le pouvoir. On a un pouvoir ultime. En me concentrant, j'arrivais à défiger Will. Même si le monde autour restait figé. Une interruption. Cool. Elle avait raison. Au sujet de la fracture. Et de tout le reste. Ce qui est bien, c'est qu'on peut désarmer les... gardes. Hop. Alors, pas tout le monde, hein. C'est dommage, hein, ça aussi. Ah, si. Oh, le bug. C'est un petit document, ici, là. Je veux juste vous montrer, je crois qu'il y a un spoil, ici, non ? Il n'y a pas de spoil, ici ? Non. Ah, si, il y a un spoil, ici, là. Mais bon, je vous en dis pas plus. Allez, par contre, on peut pas courir. Ça, c'est chiant, ça. Au début, on peut pas courir. Allez. Par ici. Donc, on a la voiture de notre ami. C'est notre frère, je crois. Non, de notre frère, pardon. Autant pour moi. Alors, elle... J'ai croisé cette fille. Qu'est-ce que tu fais? En venant ici, je vais la libérer. Reste figé. Ça marche pour toi. Pourquoi ça marche pas sur les autres? Je sais pas. C'est peut-être lié à l'exposition au chrono. Regarde-les. C'est une putain d'invasion. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Ils emmènent tous les témoins. Tous ceux qui les ont vus faire. Par contre, si vous trouvez les indices un peu partout, j'ai oublié de vous le dire. Vous allez avoir des petits bonus dans la série apparemment selon Remedy. Alors j'ai pas vu de bonus plus que ça hein, pour le moment. Hein. C'est compliqué. Bref, on verra. Quand on verra. Alors vous verrez en fonction de. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oula. L'interruption s'est effondrée. Ouais, donc vous verrez. Alors, selon votre. Vraiment, c'est vraiment selon ce que vous allez décider. Parce qu'il y aura des choix.
Je vais arranger ça. Selon les choix, vous allez plus ou moins, vous verrez, il y aura des conséquences dans la série, mais pas que dans la série, enfin, dans le jeu aussi. J'ai vu une vidéo où, je me suis pas spoil parce que j'ai fini le jeu avant, j'avais vu une vidéo où le mec, il avait choisi, bon, je sais pas trop. Hé, Jack. Sois prudent. Je laisse parler. Okay. T'inquiète. Ouais, j'avais vu un mec qui avait fait une vidéo. Alors apparemment, il avait choisi un autre choix différent de moi. Et du coup, en fait, il s'est retrouvé à... À un moment dans le jeu, bon, attention, c'est un spoil, on va se retrouver en binôme avec des personnes. Et apparemment, il avait pas le même binôme que moi, enfin. La personne qui l'accompagnait n'était pas la même. Et il y a une séquence comme ça où je pense que je vous en parlerai à partir de quand on arrivera à la séquence. Et j'étais très surpris que même les binômes sont pas les mêmes, enfin. Voilà, c'est surprenant. Mais voilà, c'est bien. Franchement, là, ils ont bien travaillé par rapport à ça. Mon premier pouvoir, c'est la vision temporaire. La vision temporaire, la vision de l'aigle, la vision des assassins. On connaît hein, dans tous les jeux aujourd'hui. Voilà. Mais sauf qu'ils ont juste changé de nom. Et ouais... Ils ont pas été chercher loin. Non, en fait, c'est toujours la même chose dans tous les jeux. Sauf qu'ils ont changé. Là, c'est la vision temporaire. Dans Phase Crest Primal, c'est la vision du chasseur. Dans Assassin, c'est la vision de l'aigle. Bref. Et voilà. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Hein, tout simplement, en appuyant dessus, vous voyez les ennemis. Des choses, des prémonitions, des échos du passé aussi. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Je parie que c'est une connerie du style boson ou neutron. Voilà, activer la vision. Mais bon, allez, c'est parti. On va buter parce que bon. Alors, là, il y a plein de monde. J'ai pas mes pouvoirs. Donc, on va faire gaffe. Si j'avais mes pouvoirs, je dis rien, mais vous verrez quand j'aurai mes pouvoirs. 7 parkings différents et il fallait que tu choisisses celui-là. Il n'y aura pas forcément besoin de rester caché en permanence, en fait, derrière un pylône. Là, c'est vraiment le début du jeu. Donc, c'est le début du jeu. Alors il y a un écho. Écho. Du passé. Will, ça me rappelle vaguement The Division. Alors il y a plein de clins d'œil. Hein, The Division. J'espère que j'arrive pas trop tard. Phase Cry Primal, vous avez vu dans l'épisode précédent. Et il y aura d'autres clins d'œil. Alors, RB. Ah voilà. Hop, ça c'est un autre pouvoir. C'est là que j'ai compris. D'un geste, je pouvais arrêter le temps dans une zone donnée. Lâchez-moi ! Vous ignorez ce que vous faites ! Will ? Merde ! Ils arrivent par l'endroit où j'ai laissé Will. Alors voilà, maintenant j'ai le deuxième pouvoir. Hein, qui est figé le temps. Il s'avère que. Je veux pas être méchant, mais ça marche pas tout le temps. Enfin. Vous verrez par la suite, ça marche pas tout le temps. Alors. Là, on arrête le temps, ça c'est joli, voilà. Oula. Ça rappelle un peu Alan Wake. Pour ceux qui connaissent.
Moi, j'ai pas encore fait Alan Wake, hein, honte à moi. Comme je vous ai dit, si vous avez bien suivi mes vidéos, je vous ai dit, je suis en retard d'une génération. Donc, c'est un peu normal que j'ai pas eu l'occasion de faire Alan Wake. Alan Wake. Oula, décidément. Mais par contre, j'ai vu en vidéo pas mal. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de le faire parce que je l'ai eu. Je l'ai eu, le petit Alan Wake. Je crois qu'il faut reprendre la voiture. Je suis pas sûr. Bon, allons-y. Restons un peu sérieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, faut que je retourne. Retourner voir Will. Ah oui, d'accord. Ok, je parle, mais je fais pas attention au jeu. Hein. J'espère que vous suivez un petit peu ce qui est dit, ce qui est marqué sur l'écran. Ah, je vous laisse la cinématique. Vous êtes Jack Joyce? Où il est? Où est mon frère? Il l'emmène dans la bibliothèque. Vous pouvez encore les rattraper. Pourquoi vous m'aidez? Vous êtes avec eux. C'est plus compliqué que ça. Écoutez, j'ignore si vous arriverez à temps, mais faites vite. C'est la première fois que vous avez vu Bess Wilder. Ouais. Mais elle, en revanche, elle m'avait déjà vu. Will? Will? Eh ben Will, on le retrouvera dans le prochain épisode. Hein, puisque c'est la partie 3 et je veux vraiment faire correctement mes vidéos. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sympathique, on a déjà deux pouvoirs, la vision et arrêter le temps. Comme je vous ai dit, vous verrez dans le prochain épisode à venir que franchement ça fonctionne pas forcément tout le temps. Vous verrez par vous-même si vous l'achetez le jeu. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vais pas spoil non plus. Je veux pas non plus vous révéler ce que j'en pense. Je le dirai à la fin. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette deuxième partie de Cotton Break. Partie 2 de la partie 1 du chapitre 1. Oula, c'est compliqué. Non, hein, du chapitre 1 de la partie 2 du chapitre 1. Même moi je m'embrouille. Bref, peu importe. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et on va voir ce qui va se passer pour Will. A plus tard, salut !